Bonjour les potiers, bonjour tout le monde. On va faire cette vidéo sur le sujet du tournassage pour les débutants. Voilà, alors on va mettre en place tout ce qu'il faut pour tournasser cette pièce et lui faire un beau fond. C'est parti! Première opération que je vous conseille, c'est d'enlever les grosses marques de terre, tout ce qui s'est collé sur le fond et qui n'est pas régulier. Ça évitera de faire tressauter votre outil. Et pareil sur les côtés. Voilà, on enlève tout ce qui n'est pas, tout ce qui dépasse, on va dire. Alors, comment on peut donner une forme qui est assez moche, un bel aspect? Eh bien, c'est avec cette étape du tournassage. Une étape vraiment incontournable et qui va donner toute la beauté à la pièce. On va se munir d'outils spéciaux. Ben, on va utiliser cette petite ribambelle d'outils, probablement. Voilà. Alors ça, c'est plutôt pour les parties arrondies. Ça, c'est un outil qui enlève beaucoup de matière. Et ça, c'est un outil de finition. Allez, c'est parti. On va fixer notre pièce. Voilà, c'est acceptable. Alors, premier geste, on va un petit peu mettre l'outil arrondi à plat comme ça et planéifier. Faire quelque chose de plat. Voilà, on ne s'occupe pas du reste. On fait quelque chose de plat, tout ça, ça va être enlevé. Donc, rien besoin de faire. Et puis sur le côté, on va remettre le bord aussi droit. Donc maintenez la pièce au centre, vous appuyez dessus. Voilà, je fais quelques copeaux pour avoir déjà quelque chose qui tourne à peu près droit et qui est, enfin, qui ne gêne pas au regard. Parce que quelque chose qui bouge de partout, c'est assez compliqué après de donner la forme. La première étape que je conseille, c'est bien sûr de savoir la forme qu'on va faire. Donc là, c'est une forme boule. On va l'accentuer un petit peu, on va mordre un petit peu là. Et on fera une légère contre-forme. C'est-à-dire qu'on repartira le galbe, on le fera repartir dans l'autre sens. C'est, première chose, dire où on va mettre le pied. Hein. Alors là, j'y vois pas encore tout à fait clair. Je vais donc m'occuper du bord et d'aller faire ce que je viens de dire, renforcer l'effet d'arrondi. Donc j'enlève un peu de matière. Hein. Ça va alléger la pièce. Alors ma pièce est un petit peu décentrée. Voilà, bon, alors maintenant il ne faudra plus... Voilà, il ne faudra plus trop y bouger parce qu'on va la redresser, mais après il ne faudra plus trop qu'elle bouge. Alors je remets ça droit. Je renforce la forme de la boule. J'attrape l'outil de finition. Alors celui-là il est pratique parce qu'on voit à travers, hein, donc il ne gêne pas le visuel. Et là, on va faire la légère contre-forme. Donc, vous
voyez, le pied devient un peu plus petit. Là, je vais y voir plus clair. Voilà. Voilà, ça commence à plus me plaire. Et la légère contreforme. Alors, on n'a pas eu besoin de cet outil qui enlève et qui fait beaucoup de copeaux. On peut peut-être essayer de l'utiliser dans le fond. Mais avant, je vous recommande de dessiner votre pied. Alors, on va faire là un pied très simple, c'est-à-dire que le pied extérieur, il est déjà fait, c'est lui. Et maintenant, on va faire la lèvre intérieure du pied, et donc son épaisseur. On tient la pièce, on tient l'outil hyper rigide, et on marque l'endroit où on veut, et on descend dedans. Voilà, j'enlève là environ, j'ai un peu d'épaisseur, je le sais, donc j'ai enlevé au moins 6 à 7 mm. Et maintenant, je vais dégager l'intérieur. Alors là, je pourrais prendre cet outil qui fait beaucoup de copeaux, hein, qui est très 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 fort. Faites attention, ne vous faites pas embarquer. Vous comprenez pourquoi on met un déflecteur, hein ? On ne peut pas en avoir partout dans tout l'atelier. Et moi, je privilégie toujours les gestes de haut en bas. Voilà, je me mets le long et je vais faire un petit arrondi. Comme ceci. Voilà, je me mets à plat, un passage partout. Vous voyez, ça va très vite, hein, le tournassage. Et puis, je reprends l'outil arrondi pour le faire la petite finition, tout doucement. Et je fais l'arrondi. Ce qui veut dire que on a une forme ronde, et quand on retourne la pièce, on retrouve une forme ronde. Bon, c'est un petit peu d'élégance, hein, c'est tout, il n'y a pas de but particulier. J'enlève les deux angles, si je veux que la pièce ait une longue vie. Et avec un pinceau que je n'ai pas, ou une soufflette, on enlève tous les copeaux. Miracle, la soufflette arrive. Voilà, les copeaux qui se recollent comme ça contre les parois. Faites attention parce que des fois, en voulant les enlever, on n'obtient pas le meilleur résultat. Ils se recollent. Ça veut dire que c'est pas assez sec. Alors, vous pouvez très bien les laisser. Et quand la pièce deviendra blanche, eh bien là, tout simplement, ça partira avec un pinceau ou même simplement avec le doigt. Voilà. Bon, vous voyez, le tournassage, c'est pas quelque chose de complexe. C'est un petit peu de soin. Il faut avoir le dessin de la pièce dans l'œil, je dirais, pour être sûr d'avoir une forme après élégante. Bon, voilà, moi je pense que là ça le fait à peu près. Donc on va considérer que le dessous de la pièce est terminé. On prend une éponge mouillée. Magique. Hop. On applique l'éponge statique sur la pièce et les défauts disparaissent. C'est aussi un moment où on peut faire avec une carte comme celle-ci, on peut faire un passage pour lisser un petit peu la pièce, voir d'éventuels défauts. Eh bien, on va finaliser l'autre partie de la pièce.
Donc, j'enlève les rallonges de hauteur. Je vais attraper la pièce dessous. Il va falloir faire attention parce que là, il y a peu de tenue. Très peu de tenue. Ce qui veut dire que si on force, eh bien la pièce peut partir sur le côté et voler à travers l'atelier. Ce n'est pas bon. Un passage avec un outil de finition. On enlève les quelques irrégularités. Je rattrape la partie qui est finalisée et normalement il n'y aura plus grand chose à faire. Je passe la carte. Alors, je ne sais pas si ça se voit sous l'angle de la caméra, mais la pièce, on arrive à la faire briller. Hein. Malheureusement, ça ne restera pas complètement à cause des phénomènes de cuisson. Je retourne la pièce. Elle tient, mais pareil, il va falloir être délicat. Danse un petit peu, je sais pas pourquoi. Peut-être pas bien serré. Il a pris un petit peu de ballon. Et c'est juste pour enlever les petites marques. Voilà, on passe partout, on enlève les parties qui gratonnent. Bon, voilà, normalement c'est une pièce qui a meilleure allure après l'étape du tournassage. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.